Mais je crois qu'on peut quand même toujours pas changer de tenue parce que j'ai pas le bateau. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Hope, à la base, c'est elle qui gardait notre bateau dans le coin, donc il va falloir qu'on le récupère. Il me semble, de mémoire. Fragment d'animus, tu le récupères pas? Non, il n'y a pas vraiment... En fait, les fragments d'animus, il n'y a pas réellement d'utilité. Qui ça? Nope. Ouais, nope. Ou nope, je sais plus comment ça s'appelle. Non, les fragments d'animus, il n'y a pas vraiment d'utilité, tu vois, ça apporte rien de spécial. Enfin, je sais que dans Black Flag, les fragments d'animus, ça permet de débloquer de l'emplacement pour la flotte de Kenway, tout ça et tout. Et dans... Comment ça s'appelle? Dans Rock, ça sert à rien parce que les emplacements pour les bateaux, tu les débloques avec l'argent. Donc il n'y a pas vraiment d'utilité à récupérer les fragments d'animus. C'est peut-être le seul truc que je vais pas récupérer. Et les rénovations dans l'immédiat. BR, excellent. Quoi? Ok, il y a un rigolo là-bas. Il me semble qu'il y a un rigolo en face aussi, non? Non? Ah, j'ai de la merde. Ah putain, il va me casser les couilles. I can get him from here. There, get him. C'est un jeu de mots avec Hope. Ah oui, non, c'est vrai qu'elle s'appelle Hope. Oui, voilà, j'ai dit Hope, j'ai pas dit Nope. Oui, voilà. Tu m'as mis le doute, Tonio. Voyons. Allez, viens ici, toi. Toi que c'est pas la peine, non, c'est pas la peine. Ah, si, 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 si. Allez, descends. Mais calme-toi avec la vision d'aigle. On dirait un perturbateur. Ah, il y a un fragment de prospérité là-bas. Hop, hop, bon. On apprécie les bugs. On les exploite surtout, les bugs. T'imagines si il l'avait appelé Nope. Ça aurait été tellement drôle en fait. Voilà. Point d'observation? Ouais, point d'observation. Je veux le point sur le point d'observation. Oui, c'est totalement Inception le truc, mais c'est pas grave. You. Ah, il est là-bas. Rôdeurs de gang. Les rôdeurs embusqués tentent d'attaquer sans être vus pour les combattre. Parer leurs attaques ou servez-vous de pétard pour les débusquer. Vous pouvez également utiliser la boussole en vision d'aigle pour repérer les rôdeurs ou capitaines les plus proches. Voilà, c'est ce que je vous disais. Oui, merci beaucoup. Je sais comment fonctionne le jeu. Voilà, en fait, en bas, il y a la boussole. Si le jeu veut bien... Voilà, là en bas vous avez la boussole, et en gros, le truc blanc qui est au milieu, plus il grossit, plus ça veut dire que vous êtes proche de votre cible assassin. Donc voilà. Ah, tu mens pas, ok. Un bon repère, ouais. Mais même, tu l'entendras au bruit. Enfin, au son, du moins. Parce qu'ils ont mis un son spécial quand on est très très proche des assassins. Ce qui fait que, du coup, si tu penses, si tu te balades et que tu penses pas regarder, en fait, le repère en vision d'aigle, t'as quand même le bruit qui te dit « Ah, fais gaffe, t'as quelque chose qui arrive. » Ou t'as quelque chose pas loin. Danger imminent, ouais, voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour le point d'observation. Qu'est-ce qu'on a à récupérer encore? Ça, c'est pas dans mon quartier, ok. Donc, on va revenir par là. Et on va aller récupérer ça. Ok, le signal est juste... Juste avant, pas vraiment juste avant, tu vois, en fait, c'est plus tu t'approches, plus le bruit il est fort, en fait.
Et dans ce jeu-là, tu peux absolument pas, déjà parce que c'est casse-couille, tu peux absolument pas rester sur le sol parce que tu peux te faire attaquer d'en haut. Et si tu penses pas à écouter ou à regarder avec la vision d'œil, bah tu peux te faire attaquer, tu peux perdre de la vie collement. Donc c'est pour ça qu'en vrai, dans ce jeu-là, c'est mieux de rester sur les toits. Y a rien de mieux. Il a dit nia en sautant. Ouais. Ah ben ça c'est chiant, hein. Si je peux vous montrer un exemple pour les assassins, je vous le montrerai volontiers, histoire que pour ceux qui connaissent pas le jeu. Derrière Tonio. Ensuite, ah, oh putain, il y a encore un champ. Oh bordel de merde. Voilà. Est-ce que vous l'entendez? Je dis plus rien, écoutez. Voilà que ça a horreur des assassins dans ce jeu car ils sont embêtants à débusquer, ouais. Mais après, quand tu as bien pris l'habitude, tu sais, tu y vas, tu les assassines, t'en as plus rien à péter, les assassins, c'est devenu des rigolos à côté. Avance un peu, Warlocks. Attends, je vais essayer de me diriger vers lui. Voilà. En fait, il est là-bas. Vous le voyez en bas? Voilà. Et plus je m'approche. Non, mais la musique, casse-toi. Et vous voyez en fait ce qui se passe? Dès que je suis trop proche de lui. Alors là par exemple, ah non en fait c'est pas lui, il y en a un autre, ok. Dès que je suis proche de lui, j'ai l'encadrement en fait du jeu qui devient rouge. Est-ce que vous l'entendez? Ou c'est pas assez fort peut-être. Attendez, je vais essayer de me rapprocher. Moi j'entends. T'entends? Voilà, en fait ça fait ça. Et quand j'utilise le radar sur la vision d'aigle, ben, en fait ça m'indique lui qui est en bas, mais. Parce que c'est lui qu'il faut que j'assassine en fait. Avant que lui-même m'assassine, mais.
Mais en gros, c'est ça. Là, c'est bon. Ouais. Et une fois qu'il est plus, tu vois. Ah, il y en a un autre qui est là-bas, en fait. En fait, c'est bourré. En fait, dès que tu changes de quartier, c'est bourré de rôdeurs. Mais littéralement. Mais voilà, en gros, ça fait ça. Et quand on les assassine, tout ça et tout, ben après, on perd le bruit. Il n'y a plus de bruit. Parce que des fois, ça arrive que ces enfoirés d'assassins, on va les appeler comme ça, des fois, ils jettent de l'argent. Et du coup, toi, tu te dis, merde, c'est où, c'est où, c'est où? Et tu vois l'argent tomber, tu te dis, ah, il est là. Et en fait, il t'arrive dans le lot. Plus le quartier est difficile, plus tu as de rôdeurs, c'est ça, ouais. Et tu peux même en trouver, genre par exemple, quand on va récupérer le bateau, on va se balader, vous savez, on va se balader, on va essayer de faire de l'annexe, tout ça et tout, avant de continuer bien l'histoire et tout. Donc on va se balader, on va fouiller et tout. Et sur des îles désertes où il n'y a que de l'herbe et 2-3 jaguars qui se battent en duel, tu vois, genre il peut y avoir des rôdeurs aussi. Alors, ce champ. Voilà ce qui tue des assassins, j'aurais tout vu. Ah, viens ici, toi. Tout calme, viens là. Voilà. Il y a une croix des Templiers aussi, là. Ah, ouais. Ah, oui, effectivement. Ok, pas de bruit, pas de message, rien, non. T'en as plus rien à péter, t'es juste là pour mettre des nuques aux assassins, c'est ça? Un chey. À la suite. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, il nous reste tout le coin là-bas. Bon, on va aller faire le point d'observation. Ah, ça c'était un assassin. Je l'ai laissé aucune pitié. Et pourquoi tout arrête, la musique? C'est pas aux petits oignons tout ça. Non mais mente. Voilà, merci. Et je crois que dans le coin, il y a mon bateau aussi. Je suis vraiment pas sûr, hein, parce qu'il me semble que le bateau, il a été gardé à New York. Mais il me semble que pas loin, j'ai mon bateau aussi. Alors, je sais pas lequel c'est, parce qu'il y en a trois, là. Mais, enfin, c'est clairement pas celui qui est devant, hein, voilà, parce que moi, j'ai un petit brix de merde, tu vois. Là. Mais je crois qu'il est dans le coin. Alors, ensuite, il y a une coffre ici. Il est où ton coffre? Il est en bas.
Et là, si vous vous rappelez, c'est là qu'on a assassiné Samuel Smith, je crois. Ou Washington. Ah oui, il y avait un truc là, ouais, c'est vrai. Ah, il nous reste deux coffres, un fragment de prospérité, une carte au trésor, et après on attaque. Non mais monte s'il te plaît. Commence pas à faire le rigolo. Voilà, merci. Ah bon? Ouais, je me suis foiré alors, il est là le. Ah. Est-ce que je vais l'avoir de là? Ouais. Ah non mais vraiment là? J'ai vraiment pris le coffre le plus proche là? Non mais vraiment? Il est où? Eh merde. Oui bon, ça sert à rien de plonger si c'est pour faire même pas 1 mètre dans l'eau. Hein. J'adore comme il pète des câbles, des fois il monte partout. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Allez, la carte au trésor, et normalement ça devrait être bon. Mdr, il aurait pu se fracasser la gueule, c'est clair. Surtout pour même pas. Est-ce que j'ai vraiment pris le bon chemin? Non mais Shay. Ah bah tu fais la course dans l'eau toi maintenant? Genre tu montes pas ici. Ah bon. Voilà, merci. Un des soucis d'Assassin's Creed, le perso pète des câbles et il grimpe partout. Mais c'est surtout le cas en fait sur les remasterisations en fait, je sais pas si tu as remarqué. Genre Black Flag ou Rogue, ou même AC3. Oula, Assassin. Oui, parce que Assassin's, je sais pas qui c'est moi. C'est souvent le cas sur les remasterisations si tu remarques bien. Parce que quand on les a. Enfin, quand moi je les ai eu sur Play 3, parce qu'à la base ils sont sortis sur Play 3, c'était pas le cas. Merci! Voilà. Papa, 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 ouais. Allez, la mission. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête de fumer de la drogue, Shay. Ça n'existait pas à cette époque. Peut-être que si, je sais pas. Je connais pas l'époque. Je suis pas né à cette époque-là. Si ça existait, ouais, bah voilà. Longue marche et courte chute. Shay, le colonel Monroe nous a tout raconté. Toi, mon ami, tu es fou, mais je te dois la vie. Master Cormac, je suis navré de vous déranger alors que vous êtes. Pour les conneries, les humains sont plus forts, mais c'est clair. J'ai passé assez de temps cloîtré ici. Alors pourriez-vous porter assistance à l'un de mes amis?
Il a découvert des criminels qui façonnent d'étranges armes. Regardez, des balles qui aveuglent à la manière des pétards. Pourrions-nous rester seuls? Son nom est Christopher Gist. Il s'est attaqué à plus fort que lui. Ces brutes vont le pendre comme un misérable. Je ne laisserai pas ces bandits faire une autre victime. Ah oui, ça marche bien, ça, Amir. Ils sont retranchés au fort de l'arsenal. Une affaire pressante m'appelle à Albany. Avisez Master Gist de m'y rejoindre. Et du coup, je sais pas, enfin, à la base, t'es plus un assassin, t'es pas un templier non plus. Il te sort un discours et tu travailles pour lui. Quoi? Comment ça, je suis timé? J'aime pas les trucs timés. On le sait, dans Spyro, vous l'avez tous vu. Pétard. Le chahut causé par les fléchettes pétards attire l'attention à la ronde, l'outil idéal pour faire diversion. Merci. Trop loin, c'est pas grave. On s'en fout. Allez, YOLO. Ah, sérieux? Et merde. Shay Cormac. Enchanté. Je suis ici. Je peux me permettre. C'est le colonel qui m'envoie. Ah, bah ça sert à rien. Merci beaucoup. YOLO MDR, MDR. Coucou, je sors du buisson. Me vois-tu, MDR? Ça bien, je me cherchais un nouveau foyer. Attends un peu pour t'installer chez eux. Il doit en rester quelques-uns sur leur navire. Regarde. C'est mon navire. Le Morrigan. Voilà, le Morrigan. Que diable fait-il là? C'est mon navire, mon ami. Et je compte bien aller le reprendre des mains de ces lâches. Attends. Je ne vais quand même pas te laisser y aller seul. Toute aide est la bienvenue. J'ai bien, ils discutent au calme pendant qu'ils ont foutu le bordel avec des armes et tout. Il y a des criminels partout et la plupart cachés sous l'apparence d'honnêtes citoyens. Ce sont eux qui ont harcelé les gens qui m'ont remis sur pied. Des gens généreux, sans aucun doute. Oui. Tu les connais peut-être. Barry et Cassidy Finnegan. Je ne les ai jamais rencontrés, mais j'ai connu leur fils. Sois prudent, ces vautours peuvent être n'importe où. Tu peux les attirer en faisant du bruit. Oh, je crois que j'ai encore mieux que ça. Bigre, tu m'as l'air plus que capable de prendre les choses en main. Rôdeurs de gang, les rôdeurs embusqués tentent d'attaquer sans être vus. Non, mais je le sais ça déjà. Tu me rappelles un truc que je sais déjà. Le jeu, voyons, didacticiel. Tu sais quoi?
Je vais te trouver un équipage au cas où tu devrais partir dans la précipitation. Ouais, tranquille. Ok, donc toi tu es là. Vous êtes tellement discret les assassins, mais tellement discret. Ouais, regarde-moi surtout. Est-ce que vous voyez qu'elle me regarde? Ah, quelle bande de victimes. Eh bien évidemment, je peux pas te faire sortir de là. Elle te veut, méfie-toi. Allez, sors de là. Voilà. Violence. Il y en a encore là-bas. Monte, s'il te plaît. Merci. Aucune pitié. Voilà. Ah, j'ai tellement mieux pour toi. Mais tu vas tellement prendre cher. Ah, tu t'es tellement mal placé là. Oh non. Toi apparemment, tu ne la voulais pas. Aucune pitié. Ouais. Michael Bay. Et ici toi, non, glisse pas. Merde. Ok, bon, il y en a un assis sur le banc, je vous le dis direct. Voilà, c'est pas compliqué de les repérer. Et... c'est des trucs qu'on fait dans Assassin's Creed en fait. Voilà. Coucou. Je suis un assassin. Je suis bien planqué. Oula, elle est partie. Non? Non. Aucune forme de pitié en fait. Et mais dis pas que tu vas te rasseoir. Ah bon? Ça a pas traîné, merde. Vous êtes tellement pas discret, mais tellement pas. Mon dieu, tout le monde sait que tu es là, bordel, là. Quelle bande de rigolos, ces assassins, mon dieu. Même moi, je suis plus discret que ça. Non mais... pas tout le monde a un radar aussi MDR, mais même sans parler de radar.